connaît les matchs d'improvisation nés au Québec dans les années 80. Mais connaissez-vous l'impro-conte? La compagnie des enfants d'Ophélie nous expose les principes de cette pratique made in Touraine, où règne écoute, imaginaire et spontanéité. L'occasion aussi de redire l'importance de ce lieu de création qu'est la carrosserie Meynier, en difficulté ces temps-ci. Alors, on est au théâtre de la Carrosserie Meynier à Saint-Amand-en-Montrond et c'est une association dont je suis la présidente. Ce théâtre, il s'est installé dans une ancienne carrosserie de voitures hippomobiles, donc qui datait, on va dire, de la fin du 19e siècle et puis qui a existé, on pense, mais on n'est pas complètement sûr, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On a, bon, déjà, on programme environ 10 spectacles professionnels par an, donc à peu près un par mois en enlevant les vacances d'été. Et on a des critères de choix qui sont, on va dire, plutôt du théâtre contemporain, mais aussi du clown. C'est assez varié quand même. Donc voilà, l'idée, ça a été ça, c'était de permettre à des artistes de trouver un lieu et un moment où ils puissent travailler. Et en échange, ben, ils nous proposent une restitution sur la carrosserie qui aura lieu donc le 5 octobre à l'occasion de l'ouverture de la saison pour nous. Enfin, j'ai la balle, hey, tiens la balle. Tiens la balle, tiens la balle. J'ai la balle, tiens la balle. Tiens la balle, tiens la balle. J'ai la balle, tiens la balle. J'ai la balle, tiens la balle. Bon, vous avez vu le jeu, il y a une certaine énergie. Par exemple, quand on est là, tiens la balle, et quelqu'un qui prend, qui attend, ça casse. Ouais. C'est comme la parole, des fois, quand il y a d'oreilles qu'il faut. Bon, tiens la balle, j'ai la balle, tiens la balle, j'ai la balle, tiens la balle, j'ai la balle, tiens la balle. Ça, c'est autre chose. Ursule Lamotte. Jonas Serpentin. Félicitin Boyer. Dans l'impro, compte souvent, si vous avez regardé, on donne souvent des noms qu'on invente sur le champ, quoi. Et là, c'est, l'exercice nous aide justement à maîtriser ces noms-là. Tu vois, les maîtriser, bon, du tac au tac, quoi. Et c'est des noms plus ou moins russes, grecs, africains. On essaie comme ça. C'est juste avoir le réflexe. Quand on veut nommer un personnage dans nos impros, que ça soit clairement dit, et voilà. Éric Bidiou, le barbare. Louise Gauthier, la brave. Homer Stavlinadris, le savant. Au fin fond de la forêt, vivait le troll. Séraphinois. Séraphinois était un troll aux cheveux orange et des diamants à la place des yeux. Séraphinois était beau gosse pour un troll. C'est surtout créer des histoires, en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne la crée pas tout seul, quoi. On les crée collectivement, quoi. Chacun se surprend, surprend les autres et peut se surprendre lui-même, en fait, en créant des histoires. Et on peut aussi, en plus de raconter l'histoire, justement incarner les personnages qu'on crée sur le vif, quoi. Il y a un fromage qui voudra. Ouais. Ce sera plus simple, parce que si je rate du fromage et que ça plaît pas. Il y a qui ce café, là? Ouais. C'est à toi. T'es sûr que c'est moi? Oui. La difficulté supplémentaire, c'est qu'on n'est pas tout seul. Donc, il faut se caler sur l'idée d'un autre, même si notre idée, à un moment donné, n'est pas la même. Et il faut arriver à construire cette histoire comme si ça n'était qu'une seule voix. En impro-compte, étant donné qu'on est au service du compte,
C'est avant tout le conte, en fait, qui nous mène. Et donc, le collectif sert le conte. Et on poursuit tous le même objectif. Et il y a beaucoup moins de place pour l'individualité, ou en tout cas la performance individuelle. Et moi, je suis d'une nature à pas avoir peur, à pouvoir rentrer dedans quelque part. Et j'aime bien parce qu'avec l'impro-conte, je suis contrainte à servir le groupe et à quelque part apprendre à me taire, en fait. Et ça fatigue, c'est toute une gymnastique que bon, j'aime bien, hein, parce que c'est peut-être pour ça aussi que je fais l'impro-conte. Parce qu'un conte, que je dis, c'est un conte que j'ai connu, j'ai préparé, tout est calé, je sais où ça va. Ou dans le théâtre, j'ai un personnage, je sais comment il parle, j'ai le texte, donc je suis rassuré. Par contre, l'impro-conte, c'est... Voilà, on prend toujours un risque à faire une histoire. Tu veux du mascara aussi, Père? Oui, je veux bien. Bon, on se retrouve en bas. Ouais. À tous. Allez, on démarre bientôt. Alors, nos amis vont vous raconter l'histoire de On a re. On a re. Dans la famille On a re, il y avait On a re. Il y avait donc On a re, Ra On a re et E On a re. C'était trois frères. Les trois frères n'avaient qu'une seule envie, changer de prénom. Devenir artiste et changer de nom. Pour avoir un nom d'artiste, ça fait beaucoup mieux. Et c'est beau le nom d'artiste. On a re. Tout le monde peut s'appeler On a re. Par contre, moi je m'appellerai Judo Khan. Mais il ne savait pas que pour être un comédien du théâtre, il faut du travail. Beaucoup de travail. Le problème, ce n'est pas changer un nom. C'est devenir quelqu'un avec un nom. Ils arrivèrent à un endroit qui se faisait appeler une carrosserie. Et là, sérieusement, ils ont demandé qu'on les aide un petit peu. Une semaine de résidence, ça pourrait peut-être leur apprendre un peu le métier. Et ils se construisirent une caravane dans laquelle ils voyagèrent. Et ils l'appelèrent la caravane des noms, car chaque soir ils avaient un nom différent. Et on avait fini par oublier leur propre nom de famille. Bon. Il y a un politique là qui a dit, mais ça,
C'est un mec, c'est un bavasseur. Bon. Il a dit que c'est un lieu qui a une âme, mais c'est vrai. À cause des gens qui y travaillent, cette association. Et puis, il s'y fait des choses extraordinaires, que ce soit les ateliers, les résidences, les spectacles, c'est toujours des choses de qualité. Il nous montre des choses qu'on voit pas partout. Hein. C'est pas dans la facilité, c'est des trucs qui... Tous les gens qui font réfléchir, des choses poétiques, des choses étonnantes. Non, c'est un lieu merveilleux, la Caro. Il faut que ça continue. Bon. Cultures.